S'il est un sujet qui passionne les élèves, c'est bien le Moyen-Âge. Aussi figure-t-il dans les programmes à tous les niveaux. On en parle dès l'école primaire, on le retrouve dans le secondaire, on peut approfondir ses connaissances à l'université. Le Moyen-Âge fait rêver. Il apporte à la fois son aspect épique qui captive les hommes d'action et son côté mystique qui fascine les imaginatifs. Aussi les enfants sont-ils tout yeux, tout oreille quand on en parle. Rares sont les distraits qui ont la tête ailleurs. Un vieux professeur nous disait autrefois, d'un ton docte, mais amical, si vous devez un jour rédiger un devoir sur le Moyen-Âge, pensez à la lettre C. Elle vous guidera pour les titres de vos paragraphes. Avec elle, vous retrouverez très vite un château fort. 2. Chevalier. 3. Cathédrale. 4. Croisade. 5. Chanson de geste. 5 mots résument plusieurs siècles de civilisation. Du XIe au XIVe siècle, notre Occident édifie châteaux et forteresses pour la défense. Églises, monastères, cathédrales pour la prière. Assurer sa sécurité sur terre, penser à son salut et à l'au-delà, sont les grandes préoccupations des hommes du Moyen-Âge. Beaulieu, communauté très ancienne, construisit son église, deux ou trois chapelles, autant de châteaux. Le château d'Assé est le plus typique, habité en permanence depuis sa construction. D'abord par les seigneurs, puis par leurs exploitants agricoles, il a conservé son aspect primitif. La Renaissance ne l'a point remanié. Il a échappé aux démolisseurs commandés par Richelieu, puis par la Convention. Mal entretenu cependant, il menaçait ruine.
Magnifiquement restauré par ses occupants actuels, il vient témoigner d'un passé de plus de 6 siècles. Comme tous les châteaux, il est construit sur une butte, le rebord du coteau qui domine le Val de Loire. Au Moyen-Âge, les fleuves et rivières sont les axes de circulation. On ne s'égare jamais en suivant une voie d'eau, soit qu'on navigue, soit qu'on longe ses berges. On est sûr d'y trouver des groupements humains. Les hordes d'envahisseurs, les armées conquérantes, les bandes de pillards arrivaient toujours du fleuve en quête de butin. Du château, on les voyait venir de loin. Ainsi avait-on le temps de préparer la défense. Une forteresse comporte souvent plusieurs enceintes concentriques. La première enceinte d'Assé ne subsiste qu'en partie. Elle n'est pas toujours en bon état et l'a perdue de sa hauteur. On y remarque quand même encore des meurtrières. Cette muraille enserrait la basse cour, vaste espace autour du château lui-même. En cas de danger, tous les gens du hameau venaient s'y réfugier, avec leurs richesses, leurs provisions, leur bétail. Cette zone comportait aussi des bâtiments d'exploitation agricole, fermes et dépendances, un jardin potager, un verger, une mare et ses poissons. On avait ainsi bien protégé des réserves de nourriture afin de pouvoir subir un siège de plusieurs semaines. Tout château possédait son colombier. Celui d'Assé mérite mieux qu'un regard. Le linteau roman de la porte atteste son ancienneté. À l'époque de la Renaissance, il a été modifié et embelli. Le toit est coupé de lucarnes élégantes. C'est par ces ouvertures que les pigeons regagnaient les boulins où ils nichaient. Et ces cavités étaient d'autant plus nombreuses que le domaine du seigneur était vaste. À mi-hauteur, le mur extérieur est ceinturé d'une corniche. Cette saillie, décorative certes, avait pour but essentiel d'empêcher la montée des rongeurs vers les ouvertures, ras et loire, friant d'eux. Le deuxième anneau défensif est celui des fossés. Ils sont profonds, aux bords abrupts, vaseux. L'ennemi qui s'y hasardait risquait la noyade ou l'enlisement.
Il était alors une cible facile pour les défenseurs du château. On ne tolérait aucune végétation qui pût masquer la vue. Aujourd'hui, avec le cycle d'années sèches que nous subissons, l'eau fait gravement défaut. Les arbres ont poussé, égayant de leur verdure les murailles grises. La muraille est haute. Autrefois, on l'appelait courtine. Son faîte n'était pas horizontal, mais crénelé. Chaque créneau permettait de lancer des projectiles. On se dissimulait derrière un merlon. Quelquefois, le chemin de ronde était découvert. Il pouvait aussi être protégé d'un toit, qu'on appelait ours. Ainsi, les guetteurs étaient-ils à l'abri des intempéries. Ils devaient faire leur ronde, inlassablement, jour et nuit, et scruter l'horizon sans défaillance. L'entrée, ou corps de garde, est particulièrement soignée et renforcée. C'est une solide tour carrée, flanquée de deux petites tours rondes qui lui sont accolées. On les appelle poivrières ou échouguettes. On remarque des orifices d'observation dirigés dans toutes les directions. L'ensemble fortifié de l'entrée est souvent appelé châtelet. Juste au-dessus de l'entrée se trouvent des mâchicoulis. Ces ouvertures, en surplomb, permettent de laisser choir des projectiles sur les assaillants qui essaient de forcer les portes, pierre ou bouillante. L'accès du château se fait aujourd'hui par un pont de pierre, un pont dormant. Il enjambe complètement les fossés. Autrefois, il s'arrêtait à mi-distance, laissant une coupure de sécurité. Il fallait, pour le passage, abaisser un pont mobile, appelé pont-levis. Il était actionné par des chaînes et un treuil placé dans la tour. Il ne reste, dans la muraille, que les ouvertures pour leur passage. L'entrée était défendue par une lourde herse de fer qu'on pouvait élever et abaisser. Elle était doublée d'une épaisse porte de chêne. L'entrée charretière était ainsi bien défendue, mais que de contraintes pour libérer le passage. Aussi passait-on plus souvent par la porte individuelle, dite porte piétonnière. C'était un étroit passage tout à côté, prévu pour le service quotidien. Son exiguïté écartait le danger d'un assaut de groupe. On appelait aussi cette entrée poterne. Improprement, il faut le dire, la poterne, du latin posterus, n'était à l'origine qu'une porte dérobée, secrète, à l'arrière du château et qui permettait une fuite discrète avant une capitulation. Thank you.
nous entrons, tout change. La forteresse, imposante et sévère, si impressionnante et menaçante de l'extérieur, n'a plus le même caractère. Elle accueille et protège ses hôtes. Cette cour intérieure, complètement fermée, donne un sentiment de sécurité et d'intimité. Cette impression de bien-être et de bien-vivre est due aussi, il faut le reconnaître, à l'aménagement actuel et à la décoration florale. Quoi de plus rassurant, de plus apaisant que ce tapis de verdure? Égayé de taches de couleur. Et tout autour de la cour, c'est un monde à découvrir que l'on ne soupçonnait pas. La première visite est pour la chapelle. C'est là que le Seigneur devait se rendre à son retour du combat pour une action de grâce. En 1445, Thomas d'Estut franchit ce seuil. Il prenait possession du château avec le titre de comte d'Assé. Charles VII, roi de France, le remerciait ainsi de ses bons et loyaux services, selon la formule consacrée. Ainsi, des Écossais allaient faire souche chez nous, dans ce lumineux Val-de-Loire, si différent des brumeuses montagnes calédonienne. Nous imaginons que les enfants du château, après les prières imposées, préféraient trotter dans le chemin de ronde. C'est d'abord l'escalier raide qu'il faut gravir. La première récompense est la vue plongeante sur la cour, qui donne le vertige. François, Michelet, Alexandre, les enfants du châtelain, étaient tout haletants. Que de courses folles, de parties endiablées, ils ont pu s'offrir. Les recoins, les tourelles, les greniers convenaient au jeu de piste et de cache-cache. Mais il fallait bien ensuite regagner le logis. On a du mal à imaginer les salles d'antan quand on voit l'habitation actuelle. L'aménagement a respecté le cadre ancien, préservé le rustique et sa poésie, mais la décoration a apporté lumière et chaleur dans des pièces grises et froides où il fait bon vivre maintenant.
jeunesse. C'était au château de Courcelles. Il s'appelait Alexandre MacDonald. C'est son histoire que nous allons vous raconter. Il la surmonte en hommage
Bonjour pour le note. Mais ces efforts ne peuvent que ralentir l'avance des coalisés. Ils approchent chaque jour de la capitale. Dès lors, il pourra profiter de sa...
Adèle a 10 ans. Anne en a 12. Elles pourront gambader dans les allées du parc. Sidonie commence tout juste à marcher. De nombreux domestiques sont là pour l'aider. Ce premier séjour durera 3 ans. En 1809, l'empereur rappelle MacDonald pour lui confier un commandement. Il reviendra 6 ans plus tard, à la deuxième restauration, après l'exil définitif de Napoléon. Il vivra à Courcelles jusqu'à sa mort, en compagnie de sa sœur Sophie d'abord, puis s'étant remarié pour la troisième fois avec Ernestine de Bourgoin. Ce mariage a été immortalisé par un monument d'inspiration égyptienne, l'obélisque, que les habitants du coin appellent improprement la pyramide. Pendant un siècle et demi, il a intrigué les curieux et les historiens locaux. Ils ont fourni quelquefois des explications fantaisistes. La date de 1821 permettait de rêver. Était-il ce monument à la gloire du duc de Berry, dernier descendant direct des Bourbons, assassiné l'année d'avant? Commémorait-il la mort de l'empereur à Sainte-Hélène? Mais c'eût été offenser gravement le roi qui comblait MacDonald de ses bienfaits. In memoriam fait aussi penser à la perte d'un être cher. Sa sœur, peut-être. Son épouse, comme on l'a écrit. Point du tout. Il s'agit tout simplement de son mariage avec Ernestine. La date le confirme, 26 septembre 1821. Las, 3 ans et demi plus tard, MacDonald sera veuf pour la troisième fois. MacDonald s'intéressa à l'église de Beaulieu et se montra souvent généreux. On lui doit l'aménagement de l'entrée de l'église. Jusqu'alors, on pénétrait dans la nef par une porte étroite percée dans un pignon nu. MacDonald voulut agrandir ce passage et donner à Beaulieu un échantillon de style empire qui fleurissait encore à Paris. Notre maréchal appréciait la majesté et le colossal de cette architecture. Il ne manque pas d'allure, ce portail de pierre taillée, avec ses pilastres encastrés. Mais c'est bien dommage qu'on ait coupé les fenêtres romanes. MacDonald assistait aux offices à Beaulieu. Les châtelains de Courcelles avaient leur place attitrée dans l'église depuis 1773. Le curé de Beaulieu ne se rendait à la chapelle de Courcelles qu'en de rares occasions. Le maréchal prenait place, avec sa sœur, dans ce banc fermé, tout à côté du banc d'œuvre, juste derrière la grille qu'il avait offerte. On sait qu'à la Révolution, une troupe venue de Gien avait emporté la belle grille en fer forgé, œuvre de boucher, ferronnier à Cône. MacDonald en commanda une nouvelle, rendant à cette église collégiale son aspect primitif, avec cœur fermé, bien que les chanoines de Bourges eussent perdu leurs prérogatives et leurs biens depuis 1790. On remarque les initiales du donateur, M.A. Ou plutôt, vu de la nef, A.M. Alexandre MacDonald,
qu'il se détache surtout le matin, dans le contre-jour du sanctuaire, bien éclairé au soleil levant. La chapelle Saint-Roch possède un grand tableau. La tradition affirme que ce tableau serait un don de MacDonald. Ce concert à la Sainte Famille, œuvre de l'école espagnole du XVIIe siècle, aurait été rapporté de Catalogne par le maréchal après la guerre d'Espagne. Était-ce un achat, un don ou simplement un butin de guerre? On sait que depuis une quinzaine d'années, les armées françaises avaient pris l'habitude de se servir largement en pays conquis. Ce tableau, riche en couleurs et en personnages, est typique du style baroque et il s'harmonise très bien avec la décoration du sanctuaire. Après sa mort, la paroisse apposa une plaque sur le mur de la nef, près du banc où il prenait place. On y lit, en mémoire de Jacques, Étienne, Joseph, Alexandre, MacDonald, duc de Tarente, maréchal de France, né à Sedan le 17 novembre 1765, décédé en son château de Courcelles-le-Roi le 25 septembre 1840. La mémoire du juste sera éternelle. Il fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise dans le carré des maréchaux d'Empire. Dans le cimetière de Beaulieu, il existe aussi une tombe de la famille MacDonald avec un entourage de fer forgé aux insignes des maréchaux d'Empire. Les registres d'état civil nous apprennent qu'il s'agit de la sépulture de Sophie Eulalie MacDonald, sœur du maréchal, son aînée d'un an. Elle était mariée au colonel Weltner, d'origine suisse. Il était médecin militaire dans la Grande Armée et il périt au passage de la Bérézina. Veuve, Sophie vint vivre à Courcelles avec son frère, qui était veuf lui aussi. Elle y passa 9 ans et elle mourut au printemps de 1821, âgée de 57 ans. Deux petits-enfants de MacDonald, morts en bas âge, ont été inhumés au même endroit. Terminons par cette anecdote maintenant bien connue. Un jour, MacDonald paya de ses deniers la réparation de la pendule du clocher. À cette époque, comme aujourd'hui, elle était souvent en panne. Et il ajouta avec humour, « Je suis bien aise que les habitants de Beaulieu pensent à moi en entendant sonner l'heure. » Il y avait dans cette remarque plus de philosophie qu'il n'y paraît. Si la vie humaine est éphémère, le temps qui passe et ne s'arrête jamais est le symbole de l'éternité. Ainsi, qui connaît son histoire pensera toujours à MacDonald quand la pendule égrènera ses coups.